Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Je vous montre ce qu'il y avait pour la page qu'on a terminée hier. Alors, vous avez ici l'ouverture comme ceci, bien aimantée. Espace photo. Ici, j'ai des 10 par 15. Vous voyez, on plie juste un petit peu ici. Ce n'est pas nécessaire d'être plié au point de presser tout ça. Là, vraiment, on y va délicatement. Comme ceci. On a la fente ici. Ici, l'espace photo, j'ai laissé ouvert avec la carte. Même chose ici. Des petites poussières. Espace photo. Puis là, on a ceci. Alors, je n'avais pas dit, mais il faut aussi mater le dessous. Alors, prenez une bande, tout simplement, qui se contient à l'intérieur de là où est-ce que c'est qu'on a collé ici, et puis le pli. Et puis, même chose de côté, vous glissez, même hauteur, 1 mm tout autour, 1,5 mm tout autour. Ici, j'ai maté le fond, alors j'ai fait des triangles. C'est peut-être plus facile de le faire avant d'installer les cartes, d'accord? Si vous avez la chance de mater avant. Ensuite, vous installez vos cartes. Et puis, j'ai mis un espace photo. J'ai une pochette ici et ici avec des petits dépôts comme ceci. Voilà. Alors, quatre espaces photos. Je ne les ai pas matés parce que ce n'est pas nécessaire vu que c'est pour mettre des photos. On ne peut pas ajouter d'épaisseur pour rien. On a déjà assez épais, je trouve. Tout simplement comme ceci. C'est bien, hein? J'aime beaucoup, beaucoup cette page. Alors, l'autre côté. Alors là, j'avais déjà enregistré puis mon mécanisme ne fonctionnait pas. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors, premièrement, on va faire un rabat. La hauteur de la page exacte, OK? On a 3 ou 4 ou 5 mm de moins ici pour mettre un fermoir. Ensuite, on a un pli ici avec la bande de collage. Alors, je n'ai pas de gousset, d'accord? Alors, là, on va faire le pop-up à l'intérieur parce que, si, comme je dis souvent, si on a déjà fait la page ici qui était facile, et puis là, on arrive avec une page plus difficile, puis qu'on a tout gâché, il faut enlever la page, il faut recommencer. On a tout perdu ce qu'il y avait ici. Alors, idéalement, on voudrait toujours commencer par l'interaction qui est la plus difficile quand on a deux dans une page, comme c'est le cas ici. Et puis aussi, une autre raison pour laquelle on va faire le pop-up à l'intérieur, c'est qu'il faut être à plat pour coller ici. Et puis, vu que moi, je vais avoir toutes sortes de choses ici, alors je ne voudrais pas écraser des goussets ou des choses comme ça. Alors, il n'y aura pas de goussets, mais quand même, c'est une façon de voir... De procéder finalement. Alors voilà, alors j'ai placé mon rabat ici. Alors là, j'ai suivi, j'ai regardé le tuto de Tanu Créative. Je ne vais pas le faire comme elle, je l'avais déjà fait dans l'album Tango et dans d'autres aussi, ce pop-up. Et puis là, j'ai eu des problèmes pour ce qui est des mesures. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait des tests. Alors, j'ai fait un test, puis à chaque fois, mes cartes ici étaient trop longues, qui faisait que ça ne faisait pas droit ici, parce que ça ne pouvait pas s'ouvrir assez. Alors, ce que j'ai fait, après avoir fait trois tentatives, j'ai tout simplement coupé. Si jamais ça vous arrive, vous voulez le faire d'un format différent, vous voulez faire le même pop-up, mais vous n'avez pas les mesures, parce que c'est important la mesure de la hauteur ici, puis de la largeur ici. Bien, la largeur ici aussi, finalement, c'est la hauteur du pop-up. Alors, c'est important parce que si on fait un petit peu trop petit ou un peu trop grand, ça fait que on n'arrive pas à coller des deux côtés, que tout se tienne bien dans les as, si on peut dire. Si on touche un peu, ça va. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris finalement celui qui avait le plus de hauteur ici. Je vais donner toutes les mesures. Et puis, vu que j'avais trop large ici, j'ai tout simplement coupé dans le pli. Alors, moi, mes cartes étaient plus larges ici. J'ai coupé dans le pli. Ensuite, j'ai mesuré qu'est-ce que c'est que je voulais avoir comme largeur. Et puis, j'ai fait une marque pour couper un des deux et avoir une bande de collage pour l'autre. Alors, moi, ici, j'avais, si je calcule ici, j'avais 2,5 cm de trop large. Alors, voilà. Alors, la façon de faire, c'est que vous vraiment vous mettez votre pop-up comme ceci. Il faut que vos bandes ici soient bien droites. Il ne faut pas que ça soit trop courbé comme ça. Moi, c'est ça que ça faisait. C'était trop large, donc ça courbait ici. Alors, il faut que ça soit bien droit. Et puis, il faut que vous touchiez les deux bandes de collage ici sur la page. Et puis, il faut que ça ici, ça puisse toucher, si vous voulez, ou qu'il soit un petit peu plus haut. Alors, moi, pour y remédier, parce que je trouvais que les espaces pour les photos n'étaient pas vraiment idéal, alors moi, je vais tout simplement ajouter une carte ici. Puis, ça va faire finalement un pop-up différent. La base est la même que d'autres qu'on a déjà vu, qu'on a déjà fait. Mais je pense que je l'avais jamais fait en tuto d'ailleurs. Mais au moins avec ça ici, bien, on se trouve avoir des surfaces pour des photos qui sont convenables. Alors, je vous donne les mesures de tout ça. Alors, premièrement, je vais tout déplier. Ah non, je ne peux pas le déplier là. Alors là, ça veut dire qu'ici, ça serait moins. Alors,
Ici, vous allez avoir la hauteur, un peu moins que la hauteur de la page. Alors, moi, ici, ma page mesure 20 cm. Ici, moi, j'ai 19. 1 cm de moins, ça va. Ensuite, pour ce qui est de la largeur, alors, vous allez avoir, ici, j'ai 11,5. Donc, vous allez avoir 23 cm de long. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm pour la bande de collage. Alors là, vous allez faire des marques. Okay? Alors, faites une marque à 1 cm. Ensuite, ici, vous allez avoir le total de 4,5. Donc, on est 3 cm plus loin. Ensuite, là, ici, vous allez avoir 7 cm. Je pense que si j'ai 7 cm, ici, ça ne sera pas un problème. Si ça arrive ici, ça peut pas. Je pense que c'est 7 cm. Okay? 7 cm. Puis ça, vous arrivez au centre. Alors là, faites une ligne de pliure ici. Alors, faites une marque ici, 7 cm. Ensuite, une autre ici, 7 cm, 3,5 et puis 1 cm. Ça, c'est vos lignes, vos marques à faire des lignes de pliure sur ce côté-là. Ce côté-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est une coupe. Mais on va commencer par mesurer. Alors la hauteur ici, j'ai 2,5. Ici aussi 2,5. Donc, vous allez faire une marque à 2,5 ici et ici. Même chose ici, ici. Alors, toutes les mesures que vous avez faites ici, vous allez refaire la même chose de l'autre côté. Alors, vous faites la ligne de pliure pour la bande de collage. Vous faites la ligne de pliure de bord en bord. OK? On commence par celles qui sont d'un bord à l'autre. À votre 7 cm, donc 7 cm de plus que... Si je dis 7 cm, je vais ajouter ce qu'il y en a ici. Donc, vous allez avoir 10,5. Et puis, même chose de l'autre côté. D'accord? Alors, faites les lignes de pliure ici, ici et celle au centre. Ensuite, là, vous allez faire la ligne de pliure à partir du 2,5 de chaque côté, à partir de la ligne de pliure 2,5 ici, jusqu'à votre marque de 3,5. Vous allez faire une coupe des deux côtés. Ensuite, quand vous allez plier, alors vous allez commencer par plier ici. Plier ici, plier au centre. Ça va plier lui en même temps, comme ça, vous voyez, ça comme ça. Et puis, ensuite, vous allez, alors ça va plier tout comme ça. Ça va plier comme ça. Alors, tout ce que vous allez faire ensuite, c'est de plier la partie du centre dans l'autre sens. Là, vous allez pouvoir plier comme ça. Parce qu'il ne faut pas plier ici. Alors, vous avez un pli à faire ici, mais il ne faut pas le faire de chaque côté. Juste entre les deux marques de 2,5, avec votre 3,5 ici. Faites la même chose des deux côtés. Alors, en principe, ça devrait fonctionner. Tanu Créative faisait 7,5 au centre, et puis je crois qu'elle avait 3,5 ici. On peut le faire comme ça si vous voulez. Alors, moi, du fait que je l'avais fait plus grand, je l'ai coupé, c'est pour ça que je ne peux pas arriver à le fermer comme ça. Si vous voulez faire comme moi, alors vous allez faire la même chose, sauf que ici, le centre va être à 9 cm ici. Vous allez avoir 9 cm ici au lieu de 7. Okay? Alors, si vous avez fait ça, ça veut dire que si vous allez avoir plus grand, vous allez avoir 9 cm au lieu de 7. Donc, moi, j'ai coupé dans le centre parce qu'il y avait le pli. Puis, j'ai fait un nouveau pli. Et puis, là où est-ce que j'ai coupé, j'ai un morceau qui est coupé carrément. Hein? Moi, j'avais celui-ci. L'autre, vous faites un pli, puis vous avez une bande de collage automatiquement. Alors, ça vous donne ceci. Alors, bon, c'est compliqué. Je vous mets le tuto de Tanu Créative. Elle ne le fait pas de la même façon que moi, dans le sens qu'elle, elle va mater le fond ici. Ensuite, elle va avoir tout son mécanisme qui est plus court parce qu'il y a toutes les parties d'extérieur. En tout cas, c'est compliqué à expliquer, là. Mais bon, allez voir si vous voulez. Mais moi, c'est ce que j'ai ici. Alors, je vous remets dans la boîte de description les mesures pour ce qui est de la largeur et de la hauteur. D'accord? Alors, quand je vais écrire largeur, vous allez avoir tous les plis et puis la hauteur. Donc, je vais vous mettre les deux mesures, celle avec le 7 cm. Puis je vais mettre entre parenthèses 9 cm si c'est ce que vous voulez. D'accord? Alors, maintenant, quand il arrive le temps de l'installer, alors il faut qu'on sache avoir l'angle bien droit ici. Alors, on ne veut pas que ce soit ni comme ça, ni comme ça. Que ce soit bien droit. Alors, si vous placez ici
ligne du centre, bien au centre. Vous allez savoir exactement à quel endroit l'installer pour que ce soit bien droit. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer comme ça. Alors, bien au centre, ma ligne. Ici, bien droit, je me fais une marque ici. Alors, c'est là que je dois coller. Alors, je vais biseauter. C'est pas nécessaire de biseauter parce que ça va être plié à l'intérieur, puis on va marquer l'intérieur après. Alors, on met de la colle sur l'extérieur ici. Donc, alors, on peut même se faire apporter la même mesure en haut. Ici, j'ai une partie. Alors, ici, j'ai 8. Alors, je vais mettre à 8 cm ici. Donc, là où est-ce que j'ai mis la colle, c'est ici. Donc, je vais coller tout juste à la ligne du 8. Je vais monter un peu parce que, bon, j'ai plus haut. La page est plus haute. Donc, je vais faire ça comme ça, si vous voulez, pour que ce soit plus droit. 8, 8. Puis, vous allez mesurer si c'est bien vis-à-vis. J'ai bien 8 ici. J'ai bien 8 ici. Parfait. On va presser ici. Ensuite, alors là, vous allez plier comme ceci. Puis, vous allez mettre la colle. Alors, je vais effacer les marques pendant que c'est facile à faire. J'ai une petite marque aussi. Alors, pliez complètement comme ceci. Mettez la colle sur la bande de collage. Et comme tout pop-up, c'est quand on ferme le rabat que ça va se positionner au bon endroit. Vous n'allez pas vous casser la tête pour mesurer de l'autre côté. Faites ça comme ceci, vous assurez que ce soit bien droit, bien égal. Puis vous pressez. Alors le pire, c'est de mesurer, puis de s'assurer que ce soit bien, bien positionné. Ici. Ouais, on va attendre un petit peu plus longtemps. Ça, bien droit, on l'attend encore un peu plus longtemps. Donc, ça fait ceci. Je vais l'aider un peu. Je vais le placer à l'intérieur. Parfait. Bon. C'est ce que ça donne. Ici, bien, il y a peut-être une petite courbure, mais ça va se placer quand on va mater, parce que si vous regardez ici, quand je presse ici, tout reste en place, tout est parfait. Alors, ça ne fait pas courber autre chose. Ça veut dire que juste quand on va l'avoir maté, ça va faire que ça va tout se tenir bien droit. Alors, pour le matage, moi, je vous recommande de faire les bandes ici en premier. Ne vous rendez pas jusqu'au bout. Alors, vous placez votre papier, la largeur 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici. N'oubliez pas que ce sont deux papiers séparés. On ne va pas plier ici, ça ne fonctionne pas. Alors, 1 mm de moins ici, ici et ici. Puis, vous le faites dépasser pourvu qu'il dépasse la ligne de pliure qui est ici. Alors, n'importe où entre ici et ici. Et surtout, n'allez pas jusqu'au bout. Parce que quand vous allez arriver ici, vous risquez d'avoir dépassé puis ça ne fonctionnera pas. Alors, faites les quatre morceaux comme ceci. Ensuite, vous allez mater les deux morceaux ici. Vous allez mater dessous ici pour cacher les bandes de collage. Même chose ici. Puis, moi, j'ai... Alors, j'ai des papiers comme ceci. J'ai pris du papier 300 grammes. Vous pourriez peut-être même prendre du papier 176 grammes ou 200 grammes, puis peut-être avoir un deuxième rabat qui ouvre comme ceci. Alors, faites deux fois plus large, finalement. Alors, moi, ici, j'ai pris la mesure pour mettre des 9 par 13. Alors, j'ai 10,3 par 13,8. Alors, j'en ai deux comme ça. Alors, ou bien vous mettez juste les deux comme ça. Les coller tout simplement sur la surface qui est ici. Alors, vous les matez avant, c'est plus facile. Ensuite, il va juste aller le coller ici, même largeur. Okay. Et puis, vous pouvez avoir un rabat qui ouvre en plus. Moi, ici, je vais plutôt faire une autre petite interaction ici, parce que, bon, regardez, l'épaisseur que ça prend de plus, c'est jusqu'ici. Alors, même qu'on puisse faire une marque, dire, bon, OK, on ne dépasse pas ici pour notre petite interaction. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme interaction? Je vais voir plus tard, je pense, parce que bon, je n'ai pas encore décidé. Ça pourrait être encore des rabats avec... Alors, vous allez avoir une bande ici, dépendant de la largeur qui vous reste sur votre format de page. Alors, comme je l'ai fait... ici. C'est ici.
comme j'avais fait ici avec une pipette, je vais refaire la même chose. Ça et ça. Je ne referai pas un autre pop-up ici par contre. Juste deux rabats. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Chose ici, vous pouvez faire deux choses différentes, vous pouvez mettre des pochettes aussi si vous préférez. Alors voilà, alors ça, ça va être fait. Ensuite, avant de mater tout ça, il faut mettre un fermoir. Alors moi, j'ai décidé que je mettais ça comme fermoir ici, à cause de l'interaction qu'il va y avoir sur le dessus. Alors, j'ai pris un papier comme ceci, je vais mettre quelque chose dessus, je n'ai pas encore décidé quoi. Un sticker quelconque, peut-être un petit espace photo aussi. Alors j'ai coupé. Alors, un papier ici qui est 1 à 2 mm plus grand tout le tour. Ici, j'ai fait une ligne de pliure. Je me suis fait un gousset de 6 mm. Plus une bande de collage. Alors, on va mettre la colle sur la bande de collage. Puis si jamais l'interaction ici ne vous plaît pas, bien, vous pouvez en faire une autre. Mais je trouve que c'est intéressant. Puis d'ailleurs, il n'y a jamais personne qui l'a fait avec les cartes ici. Alors, j'ai trouvé que ça peut être intéressant de faire un petit ajout. Ça fait joli, je trouve. Alors, j'ai ma colle ici. Alors, je plie mon gousset sous le pouce. Puis, je vais mettre idéalement centré en haut, en bas. Bien égal sur le côté. Puis, mon papier bien parallèle avec le bas ici. Je vais presser. Alors, c'est important de mettre le fermoir avant de faire de mater le fond de l'interaction qui est ici. Ça. Ici, je vais probablement arrondir les coins. Je vais prendre le petit arrondisseur. Même chose ici. Puis, je vais coller ça ici. Alors ça va être le fermoir quand on va fermer l'interaction du dessus pour tout tenir ensemble. Alors, l'interaction du dessus, très simple. Alors, j'ai coupé ici des papiers de la largeur de ma page. Puis, la longueur ici, j'ai fait 20 cm plus une bande de collage. Alors ici, j'ai trois feuilles de ce format-là. Alors, à partir de la bande de collage, du premier, alors vous voyez, je les ai mises en éventail, bien égales, surtout ici. Okay. Quand c'est dans la bande de collage, ça ne dérange pas. Alors, j'ai fait ma ligne de pliure aussi à 1 cm. Ensuite, j'ai calculé 3 cm. À partir de ma ligne de pliure, j'ai fait une marque sur la deuxième feuille. Et puis, à partir de 3 cm sous la marque que je viens de faire, sur la troisième feuille, je me fais encore une autre marque ici. Alors, ça veut dire qu'on va avoir une ligne de pliure ici. On va en faire une à 1 cm ici et une autre à 1 cm ici. Donc, on peut les couper tout de suite. Alors, la ligne de pliure se trouve être ici. Ça, c'est la bande de collage qu'on ajoute finalement. Alors, ça, j'ai ça, ça. Puis l'autre est ici. On peut juste ajouter une bande de collage après notre mesure. Ensuite, je réfléchisse. Parfait. Alors, on va faire les lignes de pliure pour la bande de collage. Je vais enlever ça. Est-ce qu'il y a un petit stylet? Ah, c'est le gros que ça me prend. Alors, une ligne de pliure ici sur ma marque. Une autre. Ici. Et une autre ici. Comme ça. Ensuite. Alors là, on va biseauter toutes les bandes de collage. On efface nos marques. Tout ça. Je vais l'arrondir, mais je vais aussi passer mon plioir pour former un petit gousset pour que ma bande de collage soit bien plate. C'est difficile au centre quand on n'a pas les doigts assez longs. Parce que là, ici, j'ai du papier 300 grammes. Alors, il faut aller avec du plus mince si vous voulez, mais j'aime bien que les cartes soient vraiment bien épaisses. Alors, 250 plus, c'est parfait. Sinon, on peut toujours aller à 216. De toute façon, ça va être maté. J'aime bien quand les papiers sont bien rigides.
300 grammes. Quand je peux l'utiliser, j'aime bien. Alors, on en a 3, 4 ici. Alors, on va commencer par installer la plus grande des 3. Alors, on a les 3 bandes de collage ici. La plus grande se trouve à être un petit peu comme ceci. Vous voyez, on a nos 3 cartes avec la même différence entre chacune. Alors, on prend la plus grande. On met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors, on va l'installer complètement en haut ici, c'est-à-dire à gauche. Ici, complètement. Bien égal ici. Quand vous collez quelque chose qui doit être droit, allez toujours voir l'extrémité de votre papier, voir si c'est toujours bien droit. Sinon, bien, il y a trop de risque d'erreur, puis ça ne fait pas très joli comme rendu. Ensuite, on va aller. Ici. Ensuite, alors la deuxième, qui est la plus grande, ici. Alors, moi, je vais l'installer exactement égal ici, avec l'autre. Alors, si vous voulez, vous pouvez la mettre moins haute, vous allez avoir une différence ici. Alors, à ce moment-là, vous n'aurez pas le 3 cm ici, vous allez avoir un peu moins. Ça va. Vous pouvez faire comme ça. Ça va de goût. Alors, moi, je vais les mettre égales. Je passe ça bien droit ici. Je pense que c'est bien égal ici. Pousse un tout petit peu, bien égal ici, puis je presse ici. On ouvre délicatement, on va les presser à l'intérieur. Ici. Ensuite, la même chose pour la troisième. Alors, si vous décidez de faire une petite différence ici, il faut vous assurer que vous ayez la même différence entre la deuxième et la troisième. Bien égal ici, les 3 ensemble, égal sur le côté, puis je presse ici. Fait. C'est l'intérieur. Alors, ça donne ceci. Alors, ça, ce que ça donne comme interaction, c'est que quand on tire ici, on tire encore et on tire encore. Sauf que je ne voudrais pas prendre celle-ci. J'aimerais en prendre une plus petite encore. Et puis, ici, elle va être collée dessus. Alors, la plus petite va aller plus loin, mais je n'avais pas la pleine hauteur. Alors, ici, j'ai une petite carte. J'ai décidé que je la faisais aussi petite que ça. Peut-être un peu plus grande, puis je vais mettre des incrustations. Alors, je vais voir si j'ai une chute de mon format. Parfait, ça, c'est bon. Alors, je vais faire, encore là, je dois avoir une ligne de pliure, voyons, environ 1 cm. Et puis, je vais avoir un petit peu plus large peut-être que ma carte. Parce que là, surtout que là, elle est beige sur beige. D'ailleurs, vous voyez, c'est exactement la même couleur. Mon papier de base est vraiment la bonne couleur. Alors, pour qu'on puisse, probablement, je vais la mater sur du verre, quelque chose comme ça. Puis ensuite, je vais la placer, puis je vais mettre des petites incrustations autour. Alors, je vais couper ici, approximativement. Faire ma ligne de pliure pour la bande de collage. Effacer des marques. C'est pas nécessaire de biseauter parce que je suis au centre. Je suis pas sur le bord ou le coin de la page. Mais je vais quand même passer mon petit plioir ici. Et puis là, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. L'intérieur serait ici. Pour ceux qui ne savaient pas. Puis, alors, on pourrait dépasser. Je pense que je vais la faire dépasser. Alors, je vais idéalement me placer bien centré. Alors, je vais regarder de chaque côté. Ici, j'ai 37. Ici, j'ai 40. Je vais tasser un tout petit peu. Tout ça. Ici, j'ai 39. Ici, j'ai 39. Puis, ici, je vais la faire dépasser un petit peu. Juste question que ça fasse une petite variété au lieu d'être tout égal. Ça, c'est collé. Ici. Je vais certainement arrondir les coins. Je vais installer ma petite carte. Je vais la mater sur du verre. Je vais la mettre ici. Alors, je vais avoir 1 mm de verre tout autour. Puis, je vais avoir des petites incrustations. Peut-être que je la mettrai en bas vu qu'il y a déjà du verre. Je mettrai 2 morceaux ici.
Puis ici, ça va faire un espace photo derrière. Puis lui, ben, ça va servir de, je vais arrondir les coins, ça va servir de tiret, si on peut dire. Alors, beaucoup d'espace photo ici. Des espaces photo avec des incrustations, des petits, peut-être dans les plus grands surtout, peut-être un espace photo 10 par 15, puis un petit qui vient empiéter un peu dessus sur le haut, 10 par 10 ou 7,5 par 10, ou quoi qu'on veuille. Alors, attention, si jamais vous voulez empiéter une photo sur l'autre, idéalement, on voudrait mettre celle qu'on veut en bas en premier, puis l'autre va aller par-dessus. Parce que si vous mettez la grande ici, puis vous mettez une par-dessus, vous allez sûrement manquer quelque chose d'important dans la photo. Tandis que le haut, souvent, c'est un plafond, un ciel, bon, des montagnes, quoi que ce soit. Alors, c'est plus facile de perdre du haut ici que de perdre du bas ici. Alors, je vous montre ça tout terminé. On va avoir terminé les pages. Ici, n'oubliez pas de mettre votre aimant avant, ici. Alors, moi, je vais mettre un aimant assez performant parce qu'il y a beaucoup de tension ici. Puis lui, ben, il est quand même assez proche, mais bon. Attention ici, votre gousset, quand vous allez placer votre aimant, il faut que vous soyez certaine qu'il est bien perpendiculaire ici. Est-ce qu'on est sur le bord d'une page? Oui, donc, on est sur le bord où est-ce qu'il y a la tâche, à la tranche. Donc, vu qu'on a quand même 6 mm, alors on va se trouver à faire un petit penché comme ceci. Alors, quand vous allez placer vos aimants, assurez-vous de faire un petit penché un peu ici pour que quand vous allez tourner votre page, ça va mieux tourner. Sinon, si vous la faites exactement comme ceci, quand vous allez tourner, ça va bloquer là. Bien, bien important. Alors, vous penchez ici, vous placez votre aimant en conséquence. Et puis, voilà. Alors, moi, je vous reviens avec ça tout terminé. Je vais installer les bandes. Alors, je vous avais parlé des bandes ici. J'ai mes autres quelque part ici. Alors, j'en ai deux autres. Je vais les installer. Je vais probablement déjà mater ici et ici. Je vais mater le fond certainement avec du papier uni qui arrive à 1 mm du bord. Il faut que ça se contienne à l'intérieur de la pochette. Alors, je vais faire ça pour les trois pages. Ensuite, on va regarder pour les pages pour que ça ne glisse pas et tout ça, vous savez, hein, qu'on ne veut pas que ça se frotte. Si on voit que ça se frotte trop, qu'on n'a pas d'alternative, bien, on ira peut-être avec des acétates avec vélum, des choses comme ça, peut-être juste acétate si on veut, pour des intercalaires, pour que ça glisse bien. Alors, je trouve que c'est une bonne façon de régler le problème quand on a quelque chose qui, je ne sais pas lequel, c'est quelque chose qui frotte le moindrement. Je pense que ça irait peut-être. Mais bon, je vais regarder ça comme il faut, puis je vous reviens. Puis s'il y a des intercalaires, je vais vous montrer ce que ça donne, puis je vous mettrai dans le lien le tuto, parce que j'ai déjà fait un tuto. Probablement que je vais le publier avant. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir le publier avant. Bon, à la limite, je referai un tuto. C'est très facile de toute façon. Alors, je reviens avec ça. Ayez votre cartonnette pour la couverture. Le tissu, si vous voulez mettre du tissu sur la tranche. Les garnitures, les rubans pour attacher, si vous voulez attacher avec un ruban. Moi, je vais peut-être attacher avec un fermoir cartonnette. Et puis, tout ce qui est décidé de votre papier du dessus et de l'arrière. Puis, je vous reviens. On commence à bâtir la couverture. Et puis, on va commencer à voir la fin du projet. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.